Alain Gontier, vous exposez dans le Vieux Saint-Prix, dans la galerie Atelier de Titane, dans le Val d'Oise. Pourquoi ici? C'est un endroit superbe et en plus la galeriste est adorable. Ça fait des années que j'essayais de venir et en fin de compte, on s'est rencontrés pendant ce confinement et ça a été un petit coup de foudre. Il y a des visages qui sont un travail sur de la vitre, où je travaille de la peinture acrylique directement sur du verre, qui sont des personnages, d'accord? Il y a après une série qui est sur la mer, qui là ce sont des toiles huile et acrylique, et il y a toute ma série qui est visite au musée, que j'ai peint pendant le confinement, puisqu'on ne pouvait plus aller au musée, ben moi je suis rentré dans les musées par ma peinture. Je vais exposer au mois d'octobre du côté de Nantes, une grosse exposition, je suis avec 10 artistes qui font tous partie d'ailleurs des artistes français. Il y a une exposition que je vais faire à Marine avec 40 tableaux, avec des nouveautés et des anciens bien sûr. Et je prévois une biennale sur Andilly au mois d'octobre où je fais venir 16 artistes qui viennent un petit peu du monde entier. Alors le Grand Palais, ça a été raté cette année, malheureusement. J'ai travaillé un très grand tableau qui n'a pas pu voir le jour, mais qui verra le jour, je pense, l'année prochaine, qu'on ne fera plus d'ailleurs sous la nef du Grand Palais, mais au Grand Palais éphémère, place du Champ de Mars, où là je présenterai la libération du Covid. Ça sera intitulé, c'est vraiment la toile qui va être présentée, en espérant d'avoir une petite médaille cette année. Voilà.